Wesh wesh canne à pêche. Oui, j'ai un cochon sur la tête. Casse-toi de là d'ailleurs le cochon, va-t'en. Bon, non, sérieusement les gens, on se retrouve sur Minecraft? Je me suis toujours posé des questions débiles, mais est-ce qu'on peut survivre en étant un géant sur Minecraft? Oui, moi je me pose des questions débiles comme ça. J'avais déjà fait est-ce qu'on peut survivre en étant minuscule sur Minecraft, ça vous avait vraiment bien plu. Et là ben, j'ai décidé de faire est-ce qu'on peut survivre en étant un géant. Imaginez-vous, à la fin de la vidéo, je vais aller buter le Nord Dragon en géant. Voilà, juste avec ça, logiquement, vous avez envie de rester jusqu'à la fin. Et bon donc, déjà, comme vous pouvez voir, j'ai une taille inhabituelle. Regardez, le cochon, il est tout petit à côté de moi. C'est normal, c'est parce que j'ai installé un machin qui me permet de changer de taille. Ah bah logique, hein. Alors la taille basique dans Minecraft, c'est celle-là. Voilà, là, je suis en taille normale. Pour débuter, je vais m'augmenter de 0 x 5. Voilà, donc là, je me suis mis en 1,5. Donc je suis 1,5 j'ai bugué. Donc là je suis 1,5 fois plus grand qu'un personnage normal. Je dirais que toutes les 20-30 minutes j'augmenterai ma taille jusqu'à temps d'atteindre une taille assez grande et après on ira buter le Nord Dragon, hein. Je pense que ça peut être drôle. Et c'est parti. Oh, des barres de rire, regardez, j'ai plus de vie. J'ai 2, 4, j'ai 4 cœurs en plus. Non, 5 cœurs en plus, je sais pas compter moi. Ah, ça se voit que je suis plus grand. C'est très marrant, c'est très très drôle, ça se voit que je suis plus grand. Et j'ai aussi l'impression de sauter ultra haut. Ouais, je saute ultra haut, effectivement. Ouais, je pense que ça va être marrant, cette survie, là. Regardez, je suis obligé de péter... Alors, logiquement, on arrive en dessous des deux cubes, hein. Là, je suis obligé de péter les feuilles pour pouvoir casser l'arbre. Ah, moi, je pense que ça va être drôle, cette survie. Je me demande comment je vais réussir à faire dans les caves, surtout. Parce que ça va être le bordel tellement je serai grand. Ah, bah ouais, bah, vous pouvez voir, regardez. Ça se voit sur quand j'appuie sur E. Regardez quand je suis tellement plus grand que sur mon truc. Bon, je vais me faire un stuff de base. On va pas se faire d'épée, cette fois. On va aller directement récolter... de la pierre pour me faire une épée en pierre. En ce moment vous allez pas me gueuler dessus en mode ninja. Arrête de faire des outils en bois, ça sert à rien. C'est bon, je vous ai entendu. Ouais, je saute vraiment ultra haut. C'est vraiment trop bien en vrai. Non, j'ai juré, c'est trop bien de sauter ultra haut comme ça. Saute deux cubes par deux cubes, c'est trop bien. Ouais, donc le principe de cette vidéo, c'est à la fin d'aller péter la gueule à l'Under Dragon. Je sais pas si ça va être compliqué, je sais pas si ça va être facile, on verra. J'ai aussi l'impression de péter les cubes ultra rapidement, non? Là, il y a une cave, je retiens ça. Est-ce que j'arrive à passer dedans au moins? J'arrive pas à passer dedans, j'arrive pas à passer dedans. Ah, je suis trop grand! Là, il y en a une autre aussi. Il me faudrait du fer en fait, c'est surtout ça le machin, mais ouais, je suis trop grand pour passer dedans. Je vais me faire des outils en pierre déjà. Bon, sinon, j'espère que votre confinement se passe bien avec mes vidéos. J'ai envie de dire aussi, avec mes vidéos, le confinement ne peut se passer que bien. Donc bon, oh, il y a une poule qui a donné un œuf. Hop là, une pioche en pierre, adieu la pioche en bois, et une épée en pierre, voilà. Oh là là, pauvres petits animaux. Oh là là, je suis vraiment méchant. Donc ouais, le principe, c'est de trouver une belle cave, comme ça je pourrais récolter du fer facilement. Après la nuit, je pense que je vais aller dehors, et je vais aller me fight contre tous les mobs. Je vais tous les fumer. Ah bah tiens, il y a du fer là, parfait. Je me demande comment... J'ai l'impression, regardez, je mine beaucoup plus vite. Ça c'est un fait, hein, c'est sûr et certain. Je me demande comment je défonce les mobs. Est-ce que je les défonce super facilement ou est-ce que ça va être un peu dur quand même? On verra ça la nuit, hein, mais bon. Regardez, je peux pas passer. Je fais 3 cubes de hauteur, ouais. Je fais 3 cubes de hauteur, littéralement. Je suis obligé de péter 3 cubes pour pouvoir faire une ligne. Bonjour. Y'a quelqu'un? J'ai pas de charbon. Là, il y en a. Faire des torches, hein, faut pas déconner non plus. Ah voilà, c'est mieux, je vois mieux là quand même. Hein. En vrai, je me sens serein. C'est bizarre parce que dans toutes mes aventures Minecraft, j'ai peur des mobs. J'ai peur de Minecraft en fait, on va le dire. Hein. Là, je me sens serein vu que je suis un géant. Vous voyez, j'ai pas le sentiment du je vais me faire péter la gueule ultra facilement. J'ai plutôt le sentiment que c'est moi qui vais péter la gueule ultra facilement aux gens. Ok, je pense que j'ai récupéré tout le fer de la zone. On va récupérer tout le charbon aussi. J'ai 20 de fer, je sais plus c'est combien pour faire un stuff entier, c'est 28 je crois, une connerie comme ça, je sais plus en vrai. Là il y a une grotte donc on va prendre le fer qu'il y a je suppose ici, s'il y en a. S'il te plaît me baisse pas, il y en a, c'est bon. Mais attends, j'ai trouvé une vraie grotte ici là, ma parole. Ah oui, j'ai trouvé une vraie grotte. C'est chelou parce que j'ai croisé encore zéro mob. Il y a quelqu'un? Pourquoi il n'y a pas de mob? Youhou, il y a quelqu'un? Ah voilà, il y a un squelette là. Esquive, qu'est-ce que tu vas faire bouffon va? Calme ta joie quand même, hein. Calme ta joie quand même, hein. Et attends, si je peux trouver du diamant, moi je dis pas non, hein. Ouais, la grotte elle pue sa mère, ok, on va juste remonter et on va tout faire chauffer, hein, parce que bon, voilà. Et je vais augmenter ma taille quand je serai en haut. En plus il va faire nuit, donc ça va être parfait, il y aura full monstre. D'accord, j'allais dire, je vais pouvoir vous montrer que c'est moi le plus fort, mais bon, juste l'éclair vient de me faire peur, là. Ok, tac, on va se faire deux petits fours comme d'habitude, pam pam, voilà. Ok les gens, j'ai encore grandi. Wow, les éclairs, laisse-moi parler, wesh. Disais donc, j'ai encore grandi, cette fois je fais 3 cubes de hauteur. Ça fait beaucoup quand même. Putain, je suis trop grand, j'arrive même plus à sortir de la grotte. Oh putain, j'avais pas cramé, regardez comment je sors de l'écran carrément. Bah pas de l'écran, mais du menu là, what the fuck. Bon, je vais gentiment me stuff full fer, et après je vais sortir dehors et je vais aller me taper contre du mob. Et par contre, je sais pas pourquoi, il y a full éclair là.
Alors j'ai remarqué 2-3 trucs quand je suis plus je grandis et plus bah je deviens fort. Regardez comment je mine ultra vite de la pierre, c'est abusé. En gros, plus je grandis, plus je peux miner extrêmement vite. J'ai plus de vie aussi, je vais plus vite et je saute plus haut. Donc je suis entre guillemets cheaté, ouais vraiment ouais. Bon, je suis full stuff, déjà on va aller voir comment je me bats contre les mobs. Et en plus, bah il y a plus de... Ah je suis trop grand. Ça me tue, il y a plus de... Mais wesh. Voilà. Oh, je saute ultra haut. Il y a plus de putain de pluie aussi, donc ça c'est pas mal. Regardez, hop. On va faire une petite arène là, une petite délimitation. Allez, venez les mobs, venez, je vous fume. Saute vraiment ultra haut, hein. Regardez ça, wesh. Il est tout petit le creeper face à moi. Aïe, il me frappe quand même, hein. Même les creepers me font zéro dégâts, là. Bon, en vrai, non, c'est super simple de les buter, regardez. Il me faut 2 coups, 3 coups, il meurt, voilà, hop. C'est pas très drôle, j'aimerais bien voir un creeper s'il explose à côté de moi. Ce que ça fait. Creeper, vous êtes tous les creepers. Ouais, parce que je défonce tous les mobs un peu vite, je trouve. Après, en soi, c'est pas un problème, mais voilà, quoi, c'est simple. La flèche est devenue géante, vu qu'elle est sur moi, elle est devenue géante. Ah, ça me fume. Ok, là, il y a un creeper, vas-y, viens. Vas-y, expose-moi à la gueule pour voir si tu me one-shot ou pas. Il m'a quand même enlevé une barre de vie, ouais, bah oui. C'est la logique. Je suis con, les creepers ils te one shot, donc logiquement ils t'enlèvent quoi? Une barre de vie, ouais. Je me suis encore agrandi. Bon, là maintenant je fais vraiment la taille d'un putain de géant. C'est vraiment. Je suis énorme. Oh non, ça pue du cul ça par contre. Attends, je prends des dégâts de chute. Ça pue du cul ça. Ouais, je prends des dégâts de chute. Bon, attendez, je vais essayer de regrouper tous les mobs. Eh oh, venez les bouffons. Vous faites zéro dégâts. Vous pouvez pas me buter. C'est ouf, hein. Je résiste vraiment beaucoup trop. Hein. C'est ok, on va se barrer. Bon, les gens, moi je dis, je vais faire un petit portail de l'end là et après on va aller dans le nether. Dans l'end, pourquoi j'ai dit le nether, moi je suis con. Ok, je me suis fait le portail de l'end. D'ailleurs je rentre presque pas dedans. Je suis un peu grand quand même. Je vais encore agrandir ma taille, comme ça va être un géant, un titan contre l'end. En plus il pleut, parfait, je me barre de ce monde de merde là. Ok, bon là je pense que maintenant je suis assez grand. Et je pense qu'on va pouvoir aller péter la gueule à l'Ender Dragon. Ouah, toutes mes barres de vie. Est-ce que... Ouah, je saute un peu haut là quand même, c'est parti. Aïe, bah je rentre pas dedans en fait. Oh ce fail. Ok c'est bon, c'est parti, on y va. Ouah, je vais trop... Oh mon dieu. Ok, bon bah c'est un dragon géant contre un homme géant. Je vais te fumer. Ah ouais, je suis quand même vachement grand, hein. Je suis trop grand, je peux pas taper les... Vous me croyez si je vous dis que je suis trop grand, je peux pas taper les beacons là, les nexus là. Ok, bon, je me suis quand même donné un arc parce que sinon j'aurais pas pu en fait. J'aurais pas pu péter les machins là. Ok, ah, qu'est-ce que tu veux toi? Oh, il me défonce. Oh, les dégâts qu'il m'a mis, wesh. Oh là là, attendez, il m'a enlevé une barre de vie en un coup. C'est vrai que je suis stuff fair, donc faut pas que je fasse trop le malin. On va monter tout là-haut là. Ok, je peux y arriver. Il y a 4-5 Enderman qui veulent me tuer. Ça pue un peu la merde, là, je vais pas vous cacher. Je vais peut-être die. Hop là. Oh, merde. Ok, j'ai réussi pour faire ça. Et j'ai perdu déjà la moitié de ma vie, hein. Alors, j'ai beau être un géant, comme vous pouvez voir, je me fais défoncer la gueule par les Enderman. Regardez, ils me courent, là. Arrêtez. Après, c'est pas très compliqué, en vrai. Je vais pas vous cacher, c'est pas très compliqué. Faut juste que, voilà, je saute et que je tire sur les machins. C'est quand même improbable, hein. Qui aurait dit qu'un jour j'affronterais l'Under Dragon en mode géant, quoi. Hop là, voilà, on en fait 2. Par contre, je suis mid-life, quoi. Hein. Ça, il faut que je pète. Ah, oh, ça va être chiant, ça. Ok, hop. Hop là, voilà, on se taille. Eh, les gens, je prends super cher, wesh. C'est peut-être parce que j'ai un stuff en fer, c'est logique en soi. Mais je suis pas plus résistant, hein. Je fais quand même péter la gueule. Regardez les Underman qui me coursent, là, ils ont envie de me buter. Par contre, je comprends pas pourquoi ma vie régène pas alors que je mange. Aïe. Je vais die. Oh mon dieu, il me reste une barre et demie. Régène, ta mère, régène là. Il veut pas régène, il prend 10 ans à régène là. Mange. D'ailleurs, comment ça se fait que les Underman m'agressent alors que je les ai pas regardés? C'est sûr que je les ai pas regardés. Ok, ça va être un combat de temps, hein, sur la durée, hein. Parce que bon, je régène mes barres de bouffe, mais bon, c'est un peu compliqué. Ah non, ça c'est tous les Underman qui sont sur l'Under Dragon, je me disais aussi. Putain, mais j'arrive pas à le détruire, ça me rend fou. Voilà, c'est bon, là, j'ai réussi. Il me reste que 18 de poulet, hein, ça va être la merde. Hein. Quand j'aurai plus de poulet, ça va être la merde. Hein. Oh, mais il me casse les couilles, les Underman, je peux pas les taper tellement je suis grand aussi. Regardez, je peux même pas les taper, je suis trop grand. Je suis trop grand, non, arrêtez. Ok, c'est bon, ça c'est fait. Il en reste un à péter, je crois. Un ou deux. Il en reste un, il reste lui, là. Ok, c'est bon, je les ai tous pétés. Il en reste un encore. Aïe. Il me reste une barre de vie. C'est la merde. J'ai pété tous les... Faut que je tape l'Under Dragon. Il est où là? Tu vois? Ok. Ok, je pense que je gagnerai jamais, hein. Les gens, je peux vous spoil. Il me reste un cœur. Les Underman de merde. Ils m'ont fumé.
Bon, c'était perdu d'avance. J'ai pris 40 minutes à essayer de le tuer alors que c'était perdu d'avance. Bon les gens, je pense que je vais vous laisser comme ça. Regardez, là, je suis vraiment un géant là. Là, vous pouvez dire que je suis un géant. Je peux même pas entrer dans la lave. Oh, je saute trop. Ah oui, d'accord, j'ai sauté 200 blocs là. Sans pression, j'ai sauté 200 blocs. Ok, bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Ninjax. Je vous dis à demain ou après-demain ou je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Et puis moi, je m'envole vers d'autres cieux. Allez, ciao les gens.